juste aller chercher du coup la veine. Et là, hop. Toi tu te fais pas chier. Tu vois, j'ai même pas touché un Q. Pff, ignite air morte. Yes, no, maybe. Jungler, ah bah. Ouais, qu'est-ce ça, jungle? Mais y'a aucun problème, bro. J'ai le champion le plus OP du jeu, y'a aucun problème. Mais attends, mais ma caméra est... Ah, oui. Je suis en mode tricheur. En gros, j'ai pris le champion. Bon, c'est un des trois meilleurs champions qui scale le mieux dans le jeu. Ça veut dire scale, c'est celui qui... va devenir de plus en plus fort au fil de la partie. C'est Vega, tout simplement. Parce que nous avons de l'AP infini avec ce champion. Plus la game va durer, plus on va stacker de l'AP. Et plus il va faire mal. Alors pourquoi je dis que c'est de la triche? Avec la rune que j'ai, optimisation glaciale, c'est complètement broken. Le champion est complètement broken. Tu pourrais être en 0-6 au début de la game. Pour perdre une game avec Vega, faut vraiment que tu trolls ou que ton équipe fasse vraiment, mais alors vraiment de la merde. Mais quand je dis de la merde... C'est deux AFK et deux mecs qui int, quoi. Sinon, c'est vraiment chiant. Donc, au début, le personnage est faible, c'est sûr. C'est sûr que dans les premiers levels, il va être faible. Mais à partir du level 6, eh ben, on est bon. Donc, il n'y a pas... Et encore, quand je dis avant le level 6, il est faible, il y a un gang du jungler, tu mets une cage, ça force le flash, c'est pas dégueu du tout non plus. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de toucher quelques sorts. Sans trop forcer. Juste pour stack de l'AP. Là, vous voyez, je suis à 8 d'AP. C'est le nombre de fois où j'ai touché les ennemis. J'ai pris un creep avec le Q, du coup, ça m'a donné un AP. Et voilà, on va scale comme ça, petit à petit. Là, ils ont déjà plus beaucoup de mana. Alors, il est pas très manavore. Vous avez vu, j'ai pu spam des sorts pas mal de fois. Du coup, c'est pas dégueu. On va mettre quelques dégâts sur la karma. S'il a envie de follow, il follow. W qui touche, on va se mettre au corps à corps. Bon, nickel. Normalement, t'es pas censé gagner le early game comme ça. Mais c'est ridicule. Et avec optimisation glaciale, le mec ne bouge pas de la partie. Et en fait, j'ai toujours cru qu'il allait être nerf. Je m'énerve. Ok. Et je comprends pas pourquoi les gens ne jouent pas plus Vegar. C'est broken. Les champions qui scale sont complètement broken en ce moment, je trouve. Je vais prendre les deux minions là. Alors, évitez de prendre... trop de minions, sinon les gens vont péter un câble. Mais quelques-uns, pourquoi pas. Là, la karma, elle a troll. Ouf. Fais attention au mur, quand même. Là, je vais la tuer. Alors, combo easy, un hein, Q-flash, évidemment. On va laisser le kill. Là, tu vois, un peu en scred, là, tu vois. Hop, petit scred, tu mets un petit Q, plus un AP. Là, je suis déjà à plus 44 AP. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est même pas à 6 minutes de jeu. Plus 44 AP. Je vais pas me répéter, mais c'est... Là, tu vois, là, regarde, tu fais... Ah, tu... Il a rien vu. Hop, 46 AP. Il a rien vu. Tu fais ça en scred, hein. Tu recommences pas. Tu vois, la prochaine vague, tu fais vraiment... T'es en mode, oh merde, désolé, prochaine vague, tu laisses. Et après, tu re-éternues et t'es safe, genre. Là, hop. Oh non, je voulais toucher la veine. Oh, désolé, mec. Oh, tu vois, ça passe. Tu vois, là, je voulais toucher la veine. Je savais que il y avait des minions devant, donc j'en ai profité. Tu vois, t'es en mode, oh merde, je voulais toucher la veine. Là, ils se doutent, là, tu vois. Du coup, les deux prochaines waves, je vais le laisser un petit peu. On va faire attention. Ok, ça m'a poussé, ça m'a aidé. J'ai même pas eu le temps d'ignite. Alors, normalement, t'es pas censé détruire la lane comme ça, mais ça va arriver. Vegar, qui est censé être un ledge... En fait, le jeu est cassé. Le jeu est cassé, en fait. Si tu veux gagner dans League of Legends, tu joues un champion late game qui scale. Tu joues Kassadin, tu joues des trucs, genre, des trucs comme ça, c'est complètement broken. Tu vois, tu peux avoir une Kessa jungle qui peut potentiellement troll. Tu t'en fous, t'en bats les couilles. Ton premier objet, ça va être le GLP. Et quand t'as le GLP, tu peux partir à Badon et la game est finie. Alors, normalement, quand tu joues des trucs comme optimisation glaciale, c'est bien de prendre le GLP, ombre jumelle, le Zonia, comme ça, t'as trois actifs. Et vu que tu joues avec Ingenious Hunter, c'est ultra value. Mais avec Vegar, avec notre passif, qui nous donne beaucoup d'AP, et bah avec le Rabadon, ça va être tellement plus stylé, parce que ça va nous donner un pourcentage supplémentaire d'AP, et vu qu'en plus on joue avec Eyeball Collection, bref, l'AP en finit plus, et tu fais tellement de dégâts, tellement vite. Là, en fait,
Je mets un QR à la veine, elle est morte. Je vais pouvoir surprendre. Tu vois, avec un petit ignite et elle est juste morte. Là, tu vois, je vais faire genre, je freeze. Ça énerve souvent les joueurs, ça, quand je fais ça. Et ils vont finir. Non, ils viennent pas. Ok, je vais juste aller chercher, du coup, la veine. Et là, hop. Toi, tu te fais pas chier. Tu vois, j'ai même pas touché un Q. Juste un petit ignite air. Elle était mid-life. Non, elle était plus que mid-life, je crois. Morte. Personne joue Veigar. Personne joue Veigar. Le champion, pour moi, top 5 des plus OP. Kassadin. Tous les champions qui scale sont ultra forts. Alors, oui et non. Surtout les mages. Genre, Kassadin, Veigar, pour moi, c'est mes top 3 des plus gros. Des aberrations de League of Legends. Et bon, il y a Nasus et tout, etc. Mais tu vois, les mêlées, ils peuvent se faire un petit peu bolos, tu vois, avec le kiting. Mais Veigar, tu peux pas vraiment te faire kite. Tu peux pas vraiment te faire bolos, quoi. Il y a les assassins. Mais les assassins, mec. Avec un GLP. Même s'ils ont une Banshee, là, le truc d'AD, là, le voile machin. Petit coup de GLP. QR, le mec est mort, en fait. Là, tu vois, j'ai pris un petit creep en scred, en mode... Oh non, je voulais toucher la karma. Toujours... Petit scred. Ouais, j'ai pas d'ultime. Là, je peux mourir parce que j'ai pas d'ultime. J'ai un peu de troll. RIP. Ah quoi, il joue Ignite, mon ADC. Ok, my bad. Je pensais qu'il allait me heal et que j'allais pouvoir faire un énorme air dans sa gueule, mais ouais, le double Ignite, bon, au moins vous êtes sûr que même si votre ADC troll un peu, si vous avez un jungler, Kai'Sa, un mid qui perd, bon, notre top gagne. Bon, j'ai troll hein, sur la veine, hein, je force de fou. Alors, c'est absolument pas grave de mourir avec Veigar, vous pouvez mourir 12 fois, le champion s'en bat les couilles en fait. Tu n'as pas besoin d'item, je pourrais être à 40 minutes de jeu, je vends tout mon stuff, avec un combo, je one-shot encore. Si je pourrais tester. Attends, je vais m'assurer de la tuer avec le combo. Bon, là, elle a troll. Elle a pas respecté mon E qui faisait la moitié de la carte. Le E est un peu ridicule. Je vais aller aider un petit peu le midliner, là, vite fait. Juste un petit peu de vision, tu vois, un petit peu de truc comme ça, là, ça peut aider. Ah, lui, il a troll. Ok. Et hop, l'auto-attaque. Oui, ça va, il se fait plaisir, lui. 7-2-2. On l'a bien mis, le petit. Ça fait du bien. Contrôle ward. On va se barrer. On a le GLP. Et là, quand on a le GLP, bah... Tu vois la situation du Zilan, ici. Elle aurait été beaucoup plus simple. Et on aurait pu faire proc son ultime beaucoup plus vite. Et là, attendez, c'est de l'early game. Là, on entre un petit peu dans le mid game, là, soon. Mais on n'a même pas atteint le mid late game avec Veigar. Et on est quand même en train de mettre l'équipe à l'envers. Je vais enlever la ward tout de suite ici. Comme ça, je pourrais potentiellement les accueillir. Ok, là, on va aller dire bonjour aux Zilean avec le GLP. Tout de suite, le GLP. Et là, pas le temps qu'il ult. Il n'a pas le temps d'ult. Il voit une grosse bombe. S'il n'a pas le réflexe, il meurt. Il est en mode, ok, je vais attendre son double... Non, dans sa gueule, le R. Il a pas le temps de le voir. Attends. Et on dit au revoir. Ah là, fallait appuyer très très vite sur R. Ouais. Ah, c'était compliqué pour lui. Et là, hop, on va cheese un petit peu. On a même pas vraiment besoin de cheese. Et hop, petit ignite. J'ai esquivé mon truc. Ah! Je crois que je me suis pris un coup de je sais pas quoi, mais ça a fait du mal. Ouais. Hop. Alors, attends, je vais tuer elle aussi vite fait. On a 148 AP bonus. C'est trop là. C'est des fous. Ouf. Oh, ce max range, mais du nanomètre. Oh shit. Oh, elle est morte. Bon, elle a triché à la flash. Flasher, c'est tricher. Wouh. Il a été rapide, le bâtard. J'aime trop ça. Tu sais, quand les gens utilisent des Zonia, des trucs de Zilean, des trucs comme ça,
et que t'as des sorts pour accueillir le mec qui se fait raise, ça me termine là, avec le sion et tout, c'est trop drôle. Hop, on éternue vite fait. Après, t'as plus le temps, tu vois, tu éternues très très vite, hein, tu... Petit W. Vous savez quoi, la veine, on va lui dire bonjour. Juste... Non, mais en fait, les gens comprennent même plus les dégâts que tu fais. Tu sais, Veigar, c'est vraiment le champion, les gens se disent, à 20 minutes de jeu, mais il m'a juste QA en fait, là. Oh. Oh. J'aurais dû le tuer tout de suite, en fait. J'ai tellement l'habitude de pas tuer les Illéan, mais avec Veigar, je peux. J'ai short cooldown. Il revient, je l'accueille avec WQ. Je suis trop cool. J'aurais pas dû attendre. Allez, on va dire bonjour. Apparemment, il y a une petite fête surprise. Oui, bonjour, salut. Ah, pas de chance. Ah, le GLP fait pas du bien. J'ai la flemme d'aller sur la karma, là. Ah oui, ça a l'air drôle ici. Ah, elle a pris une balle perdue, la pauvre. Attends, lui, je crois qu'il s'est perdu aussi. Oui, on veut le Rabadon. Et vous savez quoi, je vais prendre un bac où je vais avoir un élixir. 900 AP pile. Et quand on va prendre l'élixir, bah on va monter à... Oh, ça va donner un truc comme 87, je pense. 972, ok, on est pas mal. Aphelios qui se fait déchirer. C'est à nous de jouer, c'est à nous de jouer. Alors, ça pique un peu. Bon, lui, je vais le tuer vite. Oh, bâtard. L'auto-attaque de fou. Oh non, mais ils vont FF. On a dépassé le cap des 1000 AP. Ça pique un peu. Karma a pas mal de résistance magique en vrai. Ah, ça pique un peu. Ah, ça pique un peu. Attends, on va le tuer vite fait. Il est un peu gênant. Allez, ouais, fait mal, hein. Les gens ne se rendent pas compte, hein. Si j'avais joué Nico, mais ça aurait pas été du tout la même game, en fait. J'aurais peut-être perdu, en fait. Et juste, Veigar, j'avais fait une vidéo sur Veigar, sur le même truc, mais je crois qu'il y a 2 ans, le champion a pas bougé. Il est toujours... broken as fuck. Testez. Mais je vous promets que le champion est pas difficile à jouer. Et que si vous voulez vraiment monter et jouer les meilleurs trucs possibles, Veigar fait partie des meilleurs picks possibles.